Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo, un tuto page. Donc j'ai vu sur le groupe de Florilège Design qui lançait un challenge, sortir du cadre. Alors du coup, bah, je vais le réaliser et en même temps, je me suis dit, je vais la filmer comme ça me fera une petite créa pour vous. Donc j'ai sorti mes petites distress, Oxide et Ink. J'ai sorti les Floricolor. De Florilège Design et puis des tampons et avec des petites photos. Donc voilà, donc allez, c'est parti. Alors j'avais déjà pris un petit peu d'avance, j'avais déjà tamponné celui-ci, donc c'est le branche de gui. Mais bon, mais normalement c'est pour Noël, mais bon, je me suis dit ça pourrait aller avec ma petite photo. Donc j'ai déjà tamponné là. Je vais venir coloriser après. Alors là, je ne sais pas si vous allez le voir. Non, vous allez seulement le voir quand je vais mettre, donc quand je mettrai de l'encre. Là, j'avais tamponné en noir, puis après je me suis dit je vais le tamponner avec la Versamark et les bords blancs, et puis je vais venir coloriser avec les distress. Donc là, j'ai fait les branches de gui et là le tampon cadre. Donc voilà. Donc je vous mets la colorisation en accéléré. Et après, je vous reprendrai pour vous faire montrer. Allez, hop, c'est parti. Alors là. You take it.
Alors, voilà, j'ai fait toutes mes petites décos. Donc, tout a été découpé. Une petite photo. Et là, maintenant, j'ai sorti un kit que j'avais acheté chez Aux Créations de Lina. Donc, je vous mets leur carte. Et leur petite adresse et leur Facebook. Alors, la box, j'avais fait une vidéo dessus pour un haul. J'avais payé 10 euros. Donc, je vous rappelle ce qu'il y avait dedans. Donc, le grand cœur, le petit mot je t'aime. Ça, le petit mot amour. Les petits cœurs de là. Et après, des petits pétales et plein de confettis. Donc, là, pour ça, je vais le peindre en blanc. Ça, je vais pas le mettre, je pense. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Hop.
She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that she'll take it into her side.
take it into her side.